Hey yo yo yo, bonjour YouTube, bienvenue les amis sur cette vidéo en vocation du Meliodas Démon. Les amis, on est ultra hype, comme vous pouvez le constater, on a paqué pas mal de cristaux en espérant que la log soit au rendez-vous, hein. Pour ceux qui sont actifs sur la chaîne, vous le savez, dernièrement sur les invocations, c'était pas trop ça, on s'est pas mal fait shaft pour ne pas employer de termes trop vulgaires les amis. On est actuellement en live, s'il y a des frérots qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la petite cloche, le petit bouton rouge, le pouce bleu les amis, ça donne de la force, ça donne du ki, vous connaissez la chanson, on va pas débattre 350 ans là-dessus, on va aller vite fait checker le petit portail les frérots. On va vite fait checker le petit portail, on va voir vite fait les unités qui peuvent potentiellement nous intéresser, mis à part bien évidemment le fameux Meliodas Démon, le BG des BG, le BG des BG, de toute façon vous savez, ceux qui sont là depuis un bon moment, vous savez que je le kiffe ce petit Meliodas, hein, je le trouve ultra beau gosse, mis à part, qu'est-ce qui pourrait nous faire kiffer, donc un potentiel doublon de la Jericho, hein, on sait qu'on aime toujours augmenter l'aspect de la Jericho, le Elbram Rouge, comme vous le savez, ceux qui sont bien évidemment présents sur la chaîne, il est SP4, mon Elbram Rouge, donc pourquoi pas, grind encore, hein, il est toujours utile en PVP, même si maintenant, avec l'arrivée du Meliodas Démon Bleu, il peut se faire prendre de bonnes fessées, hein, je pense. Doublon de Slayer, on prend. Doublon d'Arthur, on prend. Le Galan, pas plus que ça. Le doublon des doublons. Le doublon Soleil. Le doublon Escalor qui fera plaisir avec sa spé de l'extrême. Je crois que juste P2, il passe à plus de 1000%. Donc ça sera ultra intéressant, les amis. Et je pense qu'on a fait le tour des SSR sur son. On va partir immédiatement invoquer, on va pas vous faire perdre plus de temps. Je suis bien évidemment actuellement en live. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de participer les amis, n'hésitez pas. Le petit abo, la petite cloche, le petit pouce bleu des familles. Je demande au chat tout de suite de m'envoyer la log les frérots. On va partir pour la première multi, on est à 782 cristaux. J'ai peur, je stresse, je vous cache pas que je suis en plein stress les amis. Je revis là intérieurement, je revis mes invocations d'Escanor. L'intérieur de mon corps est en PLS, mais on va voir, je sais pas si c'est pas une journée comme les autres aujourd'hui, on sait que c'est pas une journée comme les autres. On sent qu'il va y avoir des choses assez incroyables qui vont se passer, et c'est parti pour la première multi, les frérots. Putain, je misclique comme jamais, c'est incroyable. Allez, let's go. Première multi, les petits potes, on aimerait aussi bien évidemment voir. Ça sera pas sur celle-là. On aimerait bien aussi évidemment voir, pourquoi pas, une petite animation Escanor, hein. Je l'ai toujours pas vu in-game, hein. J'ai vu sur des tonnes de vidéos, mais je l'ai pas vu moi-même in-game. Rappelons-le, l'animation Escanor qui garantit double SSR, ça pourrait être assez insane. Allez, c'est parti, première multi avec un tiré doré, une petite branche des familles. Rien de bon, disons les choses comme elles sont. Petit shaft de notre ami Meliodas. Meliodas en PLS. Meliodas avec sa petite branchetta là. 5 SSR, peut-être un fake out les frérots, on va voir ce que ça dit. Allez, c'est parti, Golgus. Golgus des familles. Alioni. La Diane. C'est parti, après on a toujours besoin de doublons gold, hein, n'oublions pas, moi je suis du genre à acheter la Jericho quand je peux, quand elle est en réduction, la Jericho dans le coin shop gold, je me fais plaisir en général, c'est comme ça que j'ai monté SP3, la petite Jericho, donc on prend toujours les doublons SSR, on en a pas mal, mais je pense que c'est la ripense, hein. Je pense que là c'est la ripense, on n'aura pas de fake out, on n'aura rien du tout. Bon allez, on va skip les petits potes, première multi c'est pas mal, on a du beau monde quand même, 1, 2, 3, 4, 5 SR, c'est pas dégueulasse. Bon, c'était la petite multi de chauffe, on passe à 20%, hein, on connaît les bails, petite multi de chauffe les amis, et on balance la deuxième tout de suite, on est bien, mentalement on est encore bien là, c'était que la première les frérots, let's go, deuxième multi, Meliodas avec son épée cassée, on aime, j'aime le voir avec son épée cassée, j'aime pas le voir se faire tèche par contre, j'aime difficilement le voir se faire tèche, aïe, ouais, le Cruelson, on espère voir le Cruelson très très prochainement. Allez, c'est parti, pow, le tiré bleu, c'est le genre de bail qui donne envie de skip, je ne vous cache pas que c'est le genre de baiser qui donne envie de skip, on est à la deuxième multi les frérots, deuxième multi qui je crois sera sans SSR, qui sera sans SSR les amis. Ah, celle-là je la skip très fort. Celle-là elle me donne envie de vomir. On enchaîne directement sur la troisième multi. Deux multis sans SSR. C'est que le début. Ah attendez, j'ai pas fait attention. Le ciel est clair, j'ai pas fait attention. Putain, je fais jamais attention. Hein, parce que je sais. Oh,
J'ai pas fait attention s'il y avait ce fucking soleil là. À chaque fois, je regarde pas le début. Je crois pas, il devait pas y avoir de soleil. Allez BG. Allez BG, come on in my box. Oh, tiré doré. Bon, normalement le counter c'est un SSR garanti hein. Ouais, c'est bon, allez, le shaft. Allez, au revoir, merci le... Comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Le Albion. Au revoir, merci le Albion. Allez, premier SSR au bout de la troisième ulti, les frérots. Premier SSR. Let's go. Le Taizu des Fafa. Premier SR. Oh, est-ce que c'est un call? Ne serait-ce pas un call, les amis? Ne serait-ce pas un call du milieu d'As Démon, les frérots? Allez, Taizu, deuxième version. Taizu V2. Le SSR. Chien. C'est qui le patron? Pouh! Aïe. Troisième ulti. Po. Premier SSR. Milieu d'As Démon. Po. C'est comment? Aïe. Magnifique, les frérots, magnifique. Aïe, j'en peux plus. Oui. Aïe, il est somptueux avec son regard de braise, il est somptueux, merci le chat, merci la loc. Ça, c'est grâce à vous, les BG, allez, on enchaîne. Oh là là, c'est beau, ce que c'est beau, ça. Mais oui, on prend, troisième multi, premier SSR, let's go. On est bien, je vous l'avais dit, c'est pas une journée comme les autres, les frérots. C'est pas une journée comme les autres, let's go. Oh, c'est bon, ça. Et vous savez quoi, vu que la loc est au rendez-vous, on va pas s'arrêter là, on va quand même finir le step. On va être gourmand, les frérots. Je vais encore un peu garder votre loc. On va quand même aller finir le step, sachant qu'on est à 40%. On a potentiellement 3 multis sans SSR à faire. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-le, ce beau gosse, là. Oh là là, il est beau. Il est beau comme jamais. Attendez, je regarde vite fait la carte. Inflige des dégâts de perforation égaux à 100% de l'attaque de tous les ennemis. 150%. 250%, machine de guerre. Inflige des dégâts de corrosion égaux à 15% d'épée restants à tous les ennemis pendant 2 tours corrosion. Dégâts supplémentaires infligés à la fin de chaque tour. Let's go. Donc ensuite, on est... Ok. Et l'aspect, c'est la même spé, j'imagine. Elle est toujours doublée avec la Merlin. Merlin qu'on ira chercher dans le coin shop aujourd'hui, les amis, bien évidemment. Et on va continuer. On va pas s'arrêter là-dessus, les petits potes. Donnez la lock, donnez encore de la lock. On a besoin de lock. On va aller chercher, pourquoi pas, un Escanor maintenant. On enchaîne. On va aller quand même finir ce step. On va en profiter. Je vous ai dit, c'est pas une journée comme les autres, les petits potes. On va chercher, pourquoi pas, un petit doublon d'Escanor. Ça ferait plaisir. Allez, let's go. Oh, c'est magnifique. Oh, je suis bien, là. Là, je peux me poser au fond du fauteuil, là. Je suis bien, je me sens bien, les petits potes. Je me sens bien. Allez, tirez. Hop, on skip. Quatrième multi, pas de SSR, 4 doublons SR, 60%, on enchaîne. Pa. Mais non, c'est pas les multis de trop, frérot. Mais non, c'est pas grave. On se fait plaisir. On peut, pourquoi pas une animation Escanor. On sait jamais, on va la chercher. Je vais te la rendre, frérot. C'est parti, on est sur un tiré doré, les amis. Let's go, toujours avec sa branche Cheta. Il a 4 fois sur 5, il a sa branche dans les mains, lui, c'est incroyable. Allez, ouh, beaucoup d'SSR, putain, moi je sens bien un fake out là-dedans. C'est quoi, on va pas la skipper, celle-là? Je vois bien un petit fake out sur celle-là, les frérots, hein. Je sais pas comment vous le sentez. Moi, je sens bien le petit fake out des Fafa. Allez, let's go. Le Taizu. Oh là là, c'est magnifique. 3 multi, il a popé le Meliodas. Incroyable. Allez, let's go. On sent bien, hein. Je sens bien un petit Escanor qui va pop, là. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien, le frérot. Allez, on enchaîne le jute des familles. Pas de fake out. Parce que j'ai cru comprendre que c'était uniquement sur les SR, les fake out. La petite Diane. La Jericho. Ok. Pas de fake out, mais quand même, on aura pas mal un 3-3, 6 SSR. Allez, dernière multi, avant-dernière multi. Avant-dernière multi, on aura très certainement pas d'SSR. Un skip rouge. Pareil que c'est bon signe, moi j'y crois pas.
Bon, il n'y aura pas de scanner là-dessus. Il n'y aura très certainement pas de scanner là-dessus vu la couleur du ciel. Allez, let's go. Oh, c'est comment? C'est comment? Allez, c'est parti. L'Albion au tas, au sol l'Albion, au sol. Allez, un cesseur garanti les frérots. C'est parti. Qui sera-t-il? Qui sera-t-il? Hendrickson? Hendrickson-sama? Allez, allez. Allez, est-ce que c'est celui que je veux? Est-ce que c'est celui que je veux? Pa-pa-pa! On regrette pas, d'avoir continué les petits potes, on ne regrette pas, c'est magnifique, le petit Elbram rouge qui va passer P5 les frérots, ça va être insane, aïe 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 aïe, on regrette pas d'avoir invoqué, allez ça continue, le ban free to play du début de l'aventure, sale, jude, allez on enchaîne. Oh là là, c'est beau ça. Allez, double Simon. Golgus des Fafa. Et c'est parti. Ah, c'est beau ça. Un doublon. En plus, un doublon duel Bram Rouge. C'est nice. Allez, on enchaîne. Peut-être seulement deux multi encore, les frérots. À moins qu'on fasse que des full SSR là. Mais si à un moment, je comprendrais pas. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ah, j'en reviens pas de ce qui s'est passé. Allez, la claque des familles. On sait qu'il n'y aura très certainement pas de SSR là-dessus. Kyutsuke ! Tiré doré. Let's go. Ça sera le mid. Full SR. Allez, hop, on sent pas de fake out. On skip. On perd pas plus de temps. On a combien encore ? 1, 2, 3, 4 SR. C'est pas dégueulasse. Et là, on part sur le dernier tirage, les petits potes. Le dernier tirage avec un SSR garanti. Donc, on aura fait une série d'invocations. On en aura fait combien donc ? 5 plus 2, 7, 8. 8 tirages. 8 tirages, les frérots. On est pas mal. On finira avec 542 diamants. On sera bien pour la suite des événements. Sachant que la semaine prochaine, on invoquera très certainement pas. On aura encore de quoi paquer pour la Lilia bleue. On est pas mal. Les petits potes. Bon niveau invoqué. Toujours pas de Escanor. Hein. Par contre, quand je parle de Escanor, je parle de l'animation Escanor, bien sûr, les amis. Toujours pas d'animation Escanor. Elle veut pas. Hein. Elle veut vraiment pas. Bon, un jour. On l'aura. J'allais manger tigre arc-en-ciel, mais tigre arc-en-ciel forcément, SSR garanti forcément. L'Albion au sol, l'Albion au tapis. Et ça sera un seul et unique SSR, let's go, surprise les amis. Ah si c'est un doublon des scanners, oh là là. Allez, le Guild Thunder. El Famoso Twigo. Twigo, le premier ennemi, le first enemy, le first counter, deuxième Twigo, les amis. Hugo Boss, Hugo Zero, Golgus, le Ripou. Une petite Gila, bah ça c'est plutôt cool, hein. ça va EP notre Jericho, ça, on va monter l'aspect de la Gila pour EP notre Jericho. Ça va pas être dégueulasse, on est content, on prend. Allez, le pan pan boum boum. Pas maintenant. Deuxième, putain, ils aiment bien venir en double, hein, les R, hein. Ils aiment bien venir en double, c'est maintenant. Pouh ! Aïe. Incroyable. Pouh ! Oh là là, on va pouvoir passer SP2. Bon. C'est pas ce qu'il y avait de plus utile, disons-le. Hein, c'est pas sur sa spé que tout repose à notre ami Miliodas. Hein, on sait que c'est plutôt sur son set de sorts, sur son set de compétences. Mais on prend les frérots. On prend la spé déjà, il est à combien? Il est à 385% tout sur les taux de faiblesse. Ça va quand même être insane. C'est une session invocation mémorable. Ça fait plaisir. La loc est de retour, les frérots. Merci à tous. Merci au chat. Hein, merci d'avoir envoyé la loc. Merci d'avoir envoyé le Kilonen, le Chakra, les frérots, vous m'avez régalé. On va se quitter là-dessus, les petits potes. Encore mille merci. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit bouton rouge, la petite cloche et le petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment. Ça aide, ça donne la force, ça donne le ki. Ça nous aide à continuer l'aventure convenablement. N'hésitez pas. Sur ce, mille merci à tous et à très bientôt pour de prochains lives et pour de nouvelles aventures. Let's go!